Marguerite Gagneur est née dans un petit village du Jura, à Bréry, en 1857, et elle est décédée le 21 mai 1945 à Paris. C'est une femme sculpteur dont le nom d'artiste est Siamour. Siam représente les forges de Siam, donc ça représente la matière, et Amour qui représente le sentiment. Ses parents, c'est Vladimir Gagneur, qui est un député radical, mais radical des années du fin du 19e. Et sa mère était une grande féministe écrivaine qui s'appelle Marie-Louise Mignot. Ses deux parents ont eu avec elle beaucoup d'attaches sur des valeurs de laïcité et de valeurs humanistes. Alors Marguerite est déjà d'un milieu d'intellectuel et donc sa mère organisait des salons déjà et donc elle a reçu la visite de, aussi bien d'écrivains que de poètes, que d'artistes peintres et aussi de sculpteurs. Et parmi eux, il y a Antonin Massé qui est devenu son maître. Et comme elle était amie aussi avec Alphonse Mouchat, donc là elle a été beaucoup influencée par les drapés qu'on trouvait, par les lignes courbes qu'on trouvait dans l'art nouveau. Alors Marguerite Gagneur, elle avait pour parrain le président de la République, Jules Grévy. Et à ce titre-là, plus le fait que son père était député, donc il y a eu beaucoup de commandes publiques et essentiellement de Marianne. Et les Mariannes, comme celle de Châtel-Neuf, c'est une Marianne dont les traits sont celles de l'artiste elle-même. Sur toutes les Mariannes, on trouvera bien sûr le liberté, égalité, fraternité, mais on trouvera aussi d'autres éléments de la culture des radicaux de l'époque, à savoir la laïcité, l'instruction, le travail qui était toujours mis en valeur. Amour sacré de la patrie, conduit, soutien aux braves vengeurs. Donc nous voici à Poligny, devant la statue du vigneron. Ce qui est particulier, c'est qu'on a bien l'attrait du vigneron avec le cep qui est à ses pieds. Par contre, quand on regarde le reste du vigneron, il est protégé par un tablier de fondeur. Et d'une manière très particulière, le vigneron, qu'est-ce qu'il fait? Il tient un livre et il lit. Or, il faut savoir que dans cette période-là, les ouvriers, ils n'allaient pas à l'école. Qu'il fallait comprendre dans cette statue. Oui, on est un manuel, mais on peut aussi apprendre à lire et s'instruire. Au-dessus du vigneron, il y avait autrefois la statue en portrait de son père, de Vladimir Gagneur, mais malheureusement, il a été enlevé au printemps 1942. Quand ils ont su qu'à Saint-Claude, on enlevait la statue de Voltaire, ici à Poligny, ils ont vite démonté la statue et ils l'ont protégée, ils l'ont mise sous terre et donc ils ont pu sauver la statue. Marguerite Gagneur, comme elle n'a pas été à l'Académie, puisqu'à l'époque les femmes y étaient interdites, donc elle a fait l'école de Toulouse, qui est beaucoup plus une école éclectique. Donc elle a fait un mélange de réalisme et de symbolisme dans toutes ses œuvres. À Saint-Claude, une autre statue de Marguerite Gagneur, c'est la statue en hommage à Voltaire et Crestin. Alors pourquoi Voltaire et Crestin? Parce qu'à l'époque, il y avait eu, jusqu'à la Révolution française, un servage des paysans du Haut-Jura, organisé par la cathédrale de Saint-Claude. Et donc Crestin, qui était avocat, a défendu auprès du tribunal de Besançon pour abolir ce servage. Mais il s'est fait aider de Voltaire, et c'est pour ça qu'il y a une statue de Voltaire et Crestin à Saint-Claude, qui malheureusement a été retirée en 1942 pour fabriquer des canons pour les Allemands, par décision du gouvernement de Vichy. Une cinquantaine d'années plus tard, à l'initiative de la mairie de Saint-Claude, nous avons refait une statue de Voltaire et de Crestin. Et cette statue-là a été faite par un artiste né à Sarajevo qui s'appelle Branko Dimitrievitch. L'artiste a incorporé des douilles de char à Emixtrand dans la fonte de la nouvelle statue. Marguerite Gagneur, elle a beaucoup fait des œuvres d'art qui défendaient des idées humanistes, anti-guerre aussi. Et donc, elle n'était peut-être pas dans l'air du temps à l'époque. Et puis, vers la fin de sa vie, elle s'est retirée peu à peu pour se recentrer sur elle-même, pour une intériorité personnelle, donc plus sur la spiritualité. Donc, ces deux éléments font qu'à mon avis, elle a un peu disparu, mais pas ses œuvres.